Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et me revoilà sur une vidéo de Crawl 37 pour un nouveau Far Cry. Donc comme je vous l'ai expliqué en précédente, la précédente était sur l'arcade, c'est-à-dire le deuxième mode de Far Cry. Cette fois-ci c'est sur l'histoire pour faire simple. Il faut que ça se lance. Déjà on voit comment c'est bien fait. Donc je vais vous expliquer rapidement l'histoire en gros. Après je vais pas tout vous dire parce que si vous achetez le jeu, autant qu'il y ait un peu de suspense quand même. Parce que si je vous gâche tout, ça sert à rien d'acheter le jeu. Donc les ennemis, c'est la secte, c'est-à-dire c'est un groupe de croyants, ceux qui croient par les armes et par l'élimination. Du coup c'est une sorte de croyance spéciale. Si on peut pas dire, une croyance un peu zinzin pour faire simple. Regardez en bas. Donc, je vais vous montrer déjà, je vais aller là où je peux appeler une voiture, et je vais vous montrer comment c'est bien fait. Peut-être une ou deux missions, mais vous inquiétez pas. Ouais, une mission, parce que c'est quand même assez rapide, tout dépend de la mission. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont tous un peu maboules dans cette famille, puisque il y a quatre boss. Il y a trois boss qui contrôlent une zone, et le quatrième boss est le boss ultime, c'est-à-dire c'est celui qui contrôle les trois qui contrôlent les zones. Donc en gros c'est vraiment le boss final. Là j'ai commencé une partie, mais sinon sur mon autre partie j'avais tout fini. Vous êtes allé chez Larry Parker? Il est complètement taré ce mec. La dernière fois il disait qu'il fabriquait un champ de force pour éloigner les envahisseurs. Voilà. Donc là déjà, prenez une voiture pour vous montrer le paysage. On va prendre une petite voiture assez rapide, je vais pas prendre un camion. Ouais, donc déjà les voitures même, elles sont franchement vraiment stylées. Après je sais pas si vous aimerez bien, mais moi je trouve ça sympa. Donc ça c'est voiture, donc ça c'est voiture normale. Donc après c'est les quads. Les camions tout terrain ou les fourgons et les camions tout court. Donc là je vais vous demander une voiture. Donc ça c'est toute la carte. Donc comme je vous disais, donc John, ça c'est un des boss qui contrôle toute cette zone en blanc. Ça c'est Jacob, ça il contrôle une des trois zones, donc celle-là. Ensuite, elle c'est Face, elle contrôle la troisième zone. Et enfin le boss final il est là. C'est Jacob. Non. Oh, désolé. C'est le père, Joseph. Ça se ressemble les deux, c'est pour ça que je confonds. C'est l'aîné de toutes ces trois familles, parce qu'en fait ils sont de la vraie famille, c'est de la même famille. Donc, 4 fous. Donc, je vais mettre une balise. Enfin, je vais mettre une balise sur une mission loin. Non, ça c'est trop loin. Tiens, ça c'est bien. Donc, non, pas que je cherche. Désolé, hein, mais je cherche une mission. Ça, c'est une cache. C'est bien, en gros, ça c'est une sorte d'exploration. Donc, ah oui, j'ai oublié. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, c'est toutes les missions. Le journal. Après on a aussi le groupe, ça petit à petit dans la carte on va pouvoir recruter des alliés. Faudra faire des missions spéciales pour les recruter. Donc là comme j'ai recommencé une partie, je l'ai pas, mais ça c'était l'animal préféré. Il est franchement mieux. Ça c'est les talents, c'est des espèces de petits pouvoirs spéciaux. Par exemple là on respire plus longtemps sous l'eau. Ça on recharge et on a plus de munitions. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, et pour gagner des points de talent, faut faire des missions comme ça. Par exemple, tuer des ennemis avec des grenades. Tuer des ennemis avec un sniper. Bref.
Donc ça c'est inventaire, donc on peut chasser, porter des grenades, utiliser des kits de soins, porter des matériaux pour fabriquer des trucs. Enfin bref, c'est un peu le bazar, mais une fois qu'on connaît le jeu, ça devient vraiment simple. Donc ça c'est pour jouer avec des amis, et ça c'est les personnages. Donc là je me suis habillé comme ça, mais il y a des dizaines de tenues différentes. C'est juste quand même rien. Ça c'est plein de petites missions spéciales. J'ai pas de bol, faut que je tombe sur un hélicoptère. C'est vachement c'est pas vraiment ma veine. Oh non, j'espère pas qu'il va me faire apparaître de là où je vis. Yes. Bon,
L'avantage c'est que j'ai déjà fait, du coup c'est plus facile. Je vais te réduire en bouillie. Et voilà. C'était simple. Et donc ça, il y a plein de petites missions. Et voilà. Nous sommes pas mieux. Donc voilà. C'est un peu près tout. Donc après, vous avez des amis de la secte. La secte, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, et celui que j'ai un peu écrasé. Je sais que t'es pas loin. Bah, ça, c'est un membre de la secte. C'est quoi ce bordel? Et après, sinon, il y a des... Bah, il y a un peu de temps, en fait. Pas de rien, c'est cool. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Après, je vois pas ce que je pourrais vous montrer. Laissez-moi réfléchir deux secondes. Je l'ai. Désolé, cocotte, mais il faut vous plaît. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites pas attention aux tâches de fin et tout, hein, mais c'est comme ça. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner aussi, ou juste de laisser un petit commentaire. Merci de m'avoir regardé.